Bonjour à tous, bienvenue à vous dans Littoral et bienvenue dans un lieu hautement historique. Eh oui, nous sommes dans le Finistère, à l'ouest de Brest, sur la plage du Trésir. Et c'est ici même, il y a 113 ans, en 1904, que la municipalité brestoise a installé la première de ses colonies de vacances. À l'époque, c'était pour des enfants de santé fragile ou venant de milieux défavorisés. Alors plus généralement, les premières colos sont nées en Suisse il y a environ un siècle et demi. Et nous allons nous replonger dans leur histoire. Un joli clin d'œil au bon air marin, au bain de mer, au petit coup de blues quand on quittait la famille, et puis aux belles parties de franche rigolade avec les copains. Voici Bon vent les enfants, vive les colonies de vacances. Il était une fois 68 enfants qui partirent en voyage. En 1876, donc, ils étaient chétifs, malingres et inquiets. Un pasteur suisse pensa alors que le grand air, l'hygiène et une bonne alimentation feraient le plus grand bien à ces enfants issus d'un quartier défavorisé de Zurich. Cent quarante ans avant Manon, Clara, Alex ou Mathis, on ne parlait pas encore de colonies de vacances, mais on était déjà persuadé que les voyages forment la jeunesse. C'était l'été, c'était le temps de la liberté et du vent. Nos parents parlent congé payé, on répond tout le temps. Robert, David, Noah et moi, Louane, Bernard et Patricia, et tralala, et tralala. Allez, cette fois, viens avec moi. Colonie nana, colonie nana, colonie nana, colonie nana. Nous renonçons à l'hypocrite nostalgie de l'enfance parfaite. Notre seule exigence, supprimer la faim, l'humidité, le manque d'air et d'espace, la promiscuité. Ayons du respect, sinon de l'humilité pour la blanche, la candide, l'immaculée, la sainte enfance. À Brest, la première caravane scolaire apparaît en 1904 sous l'impulsion d'un médecin adjoint au maire. 171 enfants d'ouvriers sont installés sommairement sur la plage du Trésir. Il y a tout à inventer et on est en 1904 et ça fonctionne plutôt bien. Chaque enfant revient chez lui avec 2 kilos supplémentaires et la mairie décide d'acheter de belles demeures au bord de l'eau. Les châteaux du social fleurissent sur le littoral. C'est un fait, les premiers touristes du XXe siècle seront des enfants. La première colonie de vacances, qu'est-ce que c'est ? Ben, c'est un déplacement des enfants des villes vers la campagne. Jules Ferry avait eu beau dire qu'il fallait faire entrer le monde extérieur dans l'école, à travers en particulier les leçons de choses, ça ne s'est jamais vraiment fait. Ça c'est vraiment en fait parce que l'école c'est un lieu avant tout fermé hein, où on se protège hein, du monde extérieur. Tandis que là, à travers les colos, ben, c'est super parce que ils sont dans la nature, donc on va pouvoir faire l'école de la nature. Tape sur l'horizon. Tu l'as enlevé de l'eau. Faut laisser les cailloux dans l'eau. Hein. Faut pas enlever les cailloux de l'eau parce que les animaux eh ben, ils se cachent en dessous. Et c'est comme si on enlevait leur maison. Il y a un bébé crabe ici. Où ? Regarde là. Il est joli, hein ? Ouais, ouais. Regarde, il a en les plus, pattes poilues. J'ai des mouilles. Oh non, monte ! Par contre, si tu marches sur le caillou, je vais pas pouvoir le retourner. Non, ça, je le retourne pas. Faut pas oublier, c'est quand même l'Église qui a éduqué et instruit les enfants pendant des siècles. L'État, catholique d'ailleurs, en France, va ravir l'école à l'Église. Et donc l'Église va se retrouver, en quelque sorte, devant la nécessité d'éduquer, de continuer à éduquer chrétiennement les enfants. Et elle va le faire et réussir à travers les patronages. Et de chaque patron va sortir une colo.
dans beaucoup d'endroits, en Bretagne, en Normandie et autres, c'est très simple, dans toutes les petites villes, vous aviez deux patrons et deux colos, la laïque et la catho. Hein. Bon, l'enfance est un enjeu, quoi. Hein. Qui a le droit d'éduquer les enfants et pourquoi ? Parce qu'avant, il y avait aussi des choses, on pourrait dire, terrifiantes. Hein. Les croix de feu, donc là, on est en 36-34, les croix de feu ont monté leur colo. Alors là, c'était pour préparer à la guerre. Hein. Bon. Pour préparer à la guerre, les enfants des milieux ouvriers, de façon qu'ils ne soient pas pris par les communistes. Donc c'était une bataille. Durant l'été 1936, ils furent 600 000 ouvriers à partir en vacances. L'année suivante, ils étaient trois fois plus. En offrant la troisième semaine de congés payés à tous les salariés français, Léo Lagrange, sous-secrétaire d'État au sport et aux loisirs, affirme alors « Notre but, simple et humain, est de permettre aux masses de la jeunesse française de trouver dans la pratique des sports la joie et la santé et de construire une organisation des loisirs telle que les travailleurs puissent trouver une détente et une récompense à leur dur labeur. » Alors, en fait, les congés payés, c'est un symbole très, très fort, et puis, heureusement, très juste, pourrait-on dire. Mais ça n'a pas eu un impact véritable sur les colonies de vacances. Les colonies de vacances vont continuer à prospérer après 1936. Mais 1936, c'est pas du tout un point de départ des colonies de vacances. Hein. En 1936, je crois qu'il y a plus de 400 000 enfants à partir pendant l'été, hein, déjà. Alors après, ça va monter au fur et à mesure. Mais par contre, il y a bien une volonté de vacances et une volonté de loisirs. Finalement, les images des vacances n'ont pas tellement changé. On voit toujours des enfants faire les fous sur la plage, courir après le soleil, le vent, la liberté. En fait, ils courent après l'enfance, qui s'en va doucement. Non, Hugo arrive. Là, Hugo, il est où ? Là, j'ai un beau. Hugo, là, il est où ? T'as envie de te baigner ? Ouais, même si elle est froide. Quoi ? Même si elle est froide. Non, pas si elle est trop froide non plus. On avait déjà donc les municipalités, les œuvres religieuses hein, qui étaient là. Et puis, on va voir arriver les comités d'entreprise. Bon. Et les comités d'entreprise vont donner une nouvelle impulsion au développement des colonies de vacances. Hein, et entre autres, en achetant ou en construisant des centres. On persifle souvent sur les châteaux des comités d'entreprise, des gros comités d'entreprise, ils ont rénové et ils ont mis les enfants dans les châteaux. La question qui va se poser après, ça va être l'entretien des châteaux. Je
pense que les salariés de ces entreprises étaient très fiers de pouvoir faire partir leurs enfants dans des structures liées à l'entreprise. Parce qu'il y avait une continuité dans la démarche et que leur travail dans l'entreprise, c'était un peu lié le fait que l'entreprise leur organise aussi leurs vacances. Il y avait une notion, encore une fois, un peu collective, moins individualiste de l'aspect social de l'entreprise aussi. À l'après-guerre, les enfants ont besoin aussi de sortir de chez eux, de rencontrer des petits copains, d'apprendre des tas de choses dans ces colonies de vacances. Donc la démarche extraordinaire. Et on va construire le premier centre vacances pour les jeunes, pour les colonies en patrimoine. Et puis après, chaque année, ça suit. Il y a une construction au fur et à mesure d'un patrimoine jeune, on va l'appeler comme ça, qui va monter jusqu'à 19 structures. Dans son apogée, quoi. Voilà. Pour faire partir également dans les années 90-2000, environ plus de 12 000 enfants, parfois en fonction des saisons. Ceux que j'ai pas appelés, vous n'allez pas encore. Merde, ma casquette, je vais le faire. C'est pas possible. Ah non, faut attendre. Oh. Pour se baigner, c'est le coin tranquille. On est les seules, personne y va. On va se tremper dans un petit bras où sortent les égouts de la ville. Paraît qu'on a tous le typhus. On a le pétrus tout boutonneux. Et le soir avant de se mettre au pieu, on compte à celui qu'en aura le plus. Les jolies colonies de vacances. Merci maman, merci papa. Tous les ans, je voudrais que ça commence. Youkaidi, aïe, aïe. Chaque année, tout milieu confondu, plus d'un million d'enfants partent en colo. Alors, je pars aussi, à Audierne, chez les cathos. Mais c'était des cathos rigolos. Pierre Perret a la drôle d'idée d'écrire « Les jolies colonies de vacances ». On est en 1966, c'est un tollé. La femme du général de Gaulle demande que ce tube soit interdit d'antenne, radio, télé. Moi, je m'en fous un peu. Je viens surtout ici pour faire du théâtre. La première fois que j'ai vraiment fait du théâtre, ce qui constitue à monter sur une scène et à proférer un texte devant les autres, c'est donc ici, et ça a été pour moi, mais c'était, j'ai jamais pensé à faire autre chose, quoi. Le premier rôle que j'ai fait ici, c'était la Sainte Vierge. Voilà, il y avait un tableau de la Sainte Vierge, et à 9 ans, j'ai fait la Sainte Vierge, honneur insigne. La scène était construite sur des tables de réfectoire qui étaient jointes. Il y avait ceux qui... les équipes qui étaient techniques. Donc c'était des... Je me souviens, il y avait une espèce de balatome sur les tables avec des rebords en métal. Alors ils fixaient tout pour pas qu'on se casse la figure. Et ça faisait une scène assez importante, toute la largeur du lieu. Et puis les projecteurs étaient des lampes lambda, mais qu'on mettait dans les pots de confiture avec des trous, des pots de confiture de 10 kilos. Mais ça faisait... Une fois que les petits pendrillons ont été posés, ça faisait vraiment un théâtre, quoi. On va faire un effort d'art. Articulation. On va faire un effort d'articulation. Et on va chanter. On y va. 1, 2. C'était l'été, c'était le temps de la liberté et du... Nos parents parlent quand j'ai payé. On répond tout le temps. Poil au nez. Super. Après, je continue. Robert, David, Noah et moi, Loane, Bernard et Patricia, et tralala, et tralala. Allez, cette fois, viens avec moi, colonie nana, colonie nana, colonie nana, colonie nana. Je suis tué, il est parti, nous sommes, vous êtes, nous sommes amis. Ta solitude, tu laisses tomber, c'est tous ensemble. Faut rigoler.
Mimi, Henri, Assa et moi, Joseph, Janine et puis Leïla, la 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 la, l'aventure là. Elle est pour nous, elle est pour toi. Bon, les gamins, ils sont contents de faire ça. Hein. Bah ouais, quand on revoit des autres années, les photos des grands jeux, quand on se déguise, quand il y a des soirées, enfin ouais, c'est voilà, on a gardé cette étincelle de colonie, d'esprit, de jeu, d'animation. Et même si parfois les enfants ils nous énervent un petit peu, même s'ils nous écoutent pas, même si ça reste quand même des très bonnes expériences et puis ça des bonnes anecdotes et puis voilà, enfin qu'on adore ça. Quand on les voit rire, quand on les voit s'amuser, quand tout se passe bien, c'est super. Et puis les parents nous remercient. Voilà, il ne faudrait pas que ça se perde, quoi. Quand est-ce qu'on mange à 19h30? À 15. Les portables? Tu veux ça? S'il te plaît. Merci. Tiens. Merci, Sarah. Hop. Sarah. Va. Je vais là. C'est celui-là. Ouais, c'est j'ai pas trouvé son frère. Et ça, c'est à qui, le dernier qui reste? Ça, c'est à Aris. Tu lui donnes et tu le mettras sur son lit? L'Apollo, c'est justement faire l'expérience de la séparation. Et l'expérience de la séparation, c'est quand même très constructeur. On est quand même dans une époque, on pourrait dire, de familialisme, où on ne veut pas se séparer des enfants. Or, la colo, c'était un droit que les enfants ont acquis de partir pendant des vacances sans leurs parents. Or, on est aujourd'hui dans une sorte de société qui dirait au contraire, tu ne partiras pas en vacances sans nous. Je crois que justement, si la colo a un sens, c'est bien l'apprentissage de la séparation. Il y a un dessert, des fraises. Avec du chocolat. C'est équitable. Voilà. Équilibré. Ouais, je pensais pas qu'on aurait autant d'enfants avec un téléphone portable sur une tranche d'âge de 6-12 ans. Mais bon, c'est la génération qui veut ça, donc on s'adapte. Du coup, on leur laisse leur téléphone sur les temps libres, les temps calmes. Parce que pour moi, c'est très important que l'enfant soit en relation avec ses parents pendant le séjour. C'est aussi important pour les enfants que pour les parents, parce que pour se rassurer un peu. Fait 50 ans après. C'est Livingstone qui rencontre Stanley. Ah oui, c'est toi. Oui, j'avais déjà croisé. Oui, on s'est déjà croisé. Là. Salut. Sur les lieux du crime, en plus. Il n'y a pas de crime ici. On a la même tête avec quelques rides de plus, c'est ouais, tout. Quelques quoi. Kilos. Je vous voyais arriver, je vous trouvais confortable. Quelques barres en plus. De loin, je me dis, ah ben non, toi t'es plutôt maigre. Ah bon, hein. Ceux-là, ils sont confortables. Ouais, mais on a ils sont confortables. Ils ont bien vécu. Oui, c'est ça. Oui, c'est vrai. Donc on a tous été formés ici. Hein. Un peu. Aujourd'hui, c'est vrai que pour cette petite réunion-là, j'étais un peu l'élément porteur pour réunir les gens. Ça m'a pris énormément de temps. Et ça fait combien de temps qu'on ne s'est pas parlé? On a compté, ça fait 49 ans. Alors, aller dire ça à un jeune aujourd'hui qui a 30 ou 35 ans, il est perdu. Hein. Il est perdu. Et malgré tout, c'est ce qu'on disait, c'était comme si on s'était quitté hier. C'est dingue, c'est dingue. Mais parce qu'il y a eu des liens forts entre nous, quoi. Des liens très très forts, le partage de la nature, voilà, ça.
ça. Et puis les corvées qu'on devait faire ensemble, parce qu'il y avait un souci de faire les choses ensemble. Je m'attachais surtout à filmer les gens. Bon, j'ai toujours aimé les gens, peut-être, je sais pas. Et je faisais beaucoup de gros plans. Et puis, dire qu'on campait, bon, dans des champs prêtés par des fermiers, hein. Mais on avait ça. Et le matin, on se réveillait, on entendait le bruit du vent, on entendait le bruit de la mer. Ça m'a marqué, ça. Bon, c'était pas une colonie qui revenait cher pour nos parents. Parce qu'on faisait des activités qui coûtaient rien. Et le soir, on assistait petit à petit au coucher du soleil. C'est quelque chose qui coûte rien à faire. On allait se baigner en bas, là-bas, comme c'était sur des souvenirs extraordinaires. Il y a un petit sentier qui descend, on ne peut plus l'utiliser. On allait se baigner dans la piscine tous ensemble, dans l'eau glacée. Piscine, c'est des rochers, avec l'eau qui monte et qui descend au gré des vagues. On allait se baigner là, en bas. Eh bien, Philippe nous disait, non, cela c'est défendu, parce qu'on approchait de la falaise. Ah, ça, évidemment, c'était pas ça qu'il fallait faire. On était très, très... On regardait le monde qu'on nous offrait, comme ça. C'était la colonie de vacances Rose Armor qui nous offrait la pointe de Castelmeur. On était dans un port de pêche qui pêchait la sardine, qui pêchait le thon. Et moi, j'allais au bateau, j'achetais au marin la part du marin, parce qu'ils repartaient tous avec une godaille de sardine ou un thon. J'ose pas vous dire, j'ai mon cahier de menu de 61, je l'ai encore avec moi. Le budget 1961, tout compris, c'est-à-dire la somme totale en coût direct de tous les repas, divisé par le nombre de gens qu'on mangeait, 3 francs. On faisait un grand cercle. On croisait les bras comme ça. Donc on prenait les mains de notre voisin qui lui aussi avait les bras croisés, idem là-bas. Hein. Et puis on chantait. Ce n'est qu'un au revoir en se tenant. Et ça. Ça a du mal à sortir. La colo, c'est fait pour apporter quoi? Est-ce que c'est pour qu'ils deviennent plus acrobates? Est-ce que c'est pour qu'ils passent un moment avec d'autres en apprenant à vivre avec d'autres et à décider avec d'autres? À partir des années 80-90, dans les colonies de vacances, à l'image des centres d'ados, on va voir arriver les activités dominantes. Hein, on ne part plus. Avant, on partait soit à la montagne, soit à la mer, soit à la campagne. On pouvait choisir ça. Maintenant, on part faire du cheval, faire du cirque, faire de la voile, faire de ceci, faire de cela. Et les colos ont sans doute perdu quelque chose, puisque aujourd'hui, on nous dit qu'il y a 450 000 enfants seulement à partir pendant l'été en colonie de vacances. Les enfants ne sont pas des personnes en devenir, mais des personnes à part entière. Ils ont le droit d'être pris au sérieux. Ils ont le droit d'être traités avec tendresse et respect. L'inconnu qui sommeille en eux est notre espoir pour l'avenir. C'était l'été, c'était le temps de la liberté et du vent. Nos parents parlent congé payé, on répond tout le temps. Poilonnais, Robert David Noël. Allez,
cette fois, viens.